coucou les raquettes, comment ça va? Salut, bah ça va. Ça va tranquille, on va démarrer une bonne journée promo. Et avec moi en premier, bon, on va commencer à la con, on va boire un petit café ensemble. Voilà. Parce que j'aimerais bien parler de votre nouvel album qui s'appelle The Tourist. Alors pourquoi ce nom? Alors pourquoi ce nom? Pour plein de raisons. La première peut-être, c'est qu'on est revenu de la tournée de l'album précédent, Alésia, qui était un peu un petit aboutissement personnel pour nous. C'est un peu incroyable d'être en tournée avec son pote dans le monde entier, etc. Et quand on est rentré de... Je sais pas, on a tourné comme ça pendant 2 ans. Et quand on est rentré de tout ça, quelque part, on était un petit peu rassasié, je sais pas. On avait un peu un petit blues, comme on peut avoir après une colline de vacances ou je sais pas quoi. Enfin, et comme peut-être tous les musiciens du monde, quand ils rentrent de tournée, on avait un petit truc un peu... Et du coup, on s'est un peu posé là, comme ça, à chercher l'inspiration pour ce nouveau disque. Et en fait, Pierre va peut-être en parler mieux que moi parce que c'est son appartement, mais Pierre s'est installé pas très loin là, d'ici, à côté du Sacré-Cœur. Et en fait, il y avait ce côté, nous on était hyper, d'un coup, après avoir été complètement nomades, on était devenus très sédentaires à être plus qu'à Paris. Et d'un coup, nous on était complètement, immobiles, et on voyait que des gens en mouvement qui venaient voir le Sacré-Cœur, qui venaient voir Paris et tout. Et donc il y avait cette espèce de confrontation entre eux et nous. Et donc voilà, il suffisait qu'on ouvre la fenêtre de chez Pierre, là on a enregistré une bonne partie de l'album, pour voir tous ces gens, tous ces touristes, tout ça. Et je sais pas, ces fameux touristes que vous étiez justement durant ces 2 années après Alésia. Je situe un peu la scène. Donc Alésia est sorti en 2011. Ouais. A eu fait son petit bonhomme de chemin. Ouais, on a tourné pendant quasiment 2 ans et demi. En 2013, j'ai commencé à attaquer l'album. Ouais, c'est ça. Alors, grosso modo, début 2013. Moi, j'ai emménagé dans cet appartement, donc vraiment face au Sacré-Cœur, en fin 2012. Donc vraiment, on est rentré d'Australie, où c'était quasiment une des dernières dates de la tournée. Comme quand tu déménages, quoi, t'arrives dans un appart, c'est pas chez toi, t'as passé beaucoup de temps sur la route, etc. Donc un petit peu genre, mais où est-ce qu'on est, qu'est-ce qui se passe, tout ça, quoi. Donc un petit blues, effectivement. Donc 2013, début de l'écriture. Il y avait ce besoin du coup de s'exprimer de nouveau sur un nouvel album. Ouais, nous on fait ça depuis, Victor et moi, on fait ça depuis qu'on a 18 ans, d'écrire des morceaux. Donc, alors vous connaissez depuis 18 ans ou même depuis plus longtemps? Depuis plus longtemps, vraiment les meilleurs copains du monde. Bah ouais, en fait, moi j'ai 2 ans de plus que Victor, donc tu sais, quand t'es enfant, 2 ans c'est énorme, donc tu vas pas commencer à parler au plus petit, ou tu vois ce que je veux dire, impossible. Mais voilà, les années passent et en fait, on a grandi en banlieue, tout ça, et il n'y a pas tant de mecs avec qui t'es vraiment compatible et avec qui tu peux faire de la musique. Et quand on s'est rencontrés vraiment des années plus tard pour faire de la musique, ça a vraiment matché, quoi. Donc faire de la musique pour nous, c'est une évidence, on sait faire que ça devient. Dès le départ, c'était déjà ce côté pop synthétique qu'on retrouve justement dans The Tourist, qui va sortir, alors pour l'information, le 30 octobre, ouais. Donc dans quelques jours. Et donc il y avait cette volonté déjà dès le départ, vous deux, c'est ce que vous écoutez aussi, cette pop un peu synthétique. En fait, c'est marrant, les synthés pour nous, c'est arrivé, Victor est batteur, moi je suis guitariste de base. Classique. Ouais, conservatoire tous les deux. C'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, vraiment. Ouais, c'est là qu'on s'est rencontrés. Et pour nous, vraiment, la découverte des synthés, c'est là où un peu nos deux univers se sont rejoints. En fait, c'était un terrain connu neutre, pile au milieu. Et c'est un mélange d'harmonie et de technique en même temps, de synthèse. Donc il y a un peu. On s'est passionné de ça depuis vraiment nos premières démos. Donc il y a toujours eu des synthés dans The Racket. Vous écoutez quoi comme musique, vous? Pas spécialement la musique avec des synthés d'ailleurs, mais c'est vrai que on a passé beaucoup de temps sur eBay. On collectionne les synthés en fait plus que les guitares ou les batteries, quoi. Avant tout. Ouais. Ça et puis de prendre chaque synthé, chaque instrument comme un instrument en tant que tel et comme une source d'inspiration. Après, on a vraiment eu cette période-là peut-être avant même notre premier album, jusque Alésia, grosso modo. Au moment d'aller, à partir de Alésia, on a arrêté un peu d'acheter de. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'on a du matos. Le but du jeu, quand on était en tournée un peu loin en Argentine ou en Australie ou je sais pas quoi, ou au Brésil, le but c'était d'acheter des instruments locaux en fait à chaque fois. Donc dans le disque, il n'y a jamais un instrument majeur qui s'entend, mais nous on sait qu'il y a ces maracas ont été achetés là, il y a une flûte qui a été achetée en Argentine qu'on n'entend pas. Il y a des maracas du Mexique, il y a une flûte d'Argentine, il y a une castagnette d'Espagne. Ouais, donc
c'est assez symbolique, ça se trouve, genre cet album pour nous on le voulait plus comme ça, on le voulait plus en bois et moins en métal quoi, donc c'est des flûtes qui sont en bois, des congas, des maracas, etc. On va quand même rassurer les fans, hein, parce que c'est pas de la musique du monde, hein, qu'il y a non, dans ce non, non, mais il est vrai qu'il est beaucoup plus complexe. Non, mais en plus, on pensait à cet aspect, évidemment, c'est world music, c'est un mot très générique qui veut pas dire grand-chose, parce que on fait tous de la world music selon dans le pays dans lequel on est. C'est la FNAC qui a décidé que tout ce qui n'était pas dans telle catégorie, on va la mettre dans la Je pense quand t'es en la musique française aux États-Unis, évidemment, c'est de la world music, etc. Ouais, voilà. Mais c'est vrai qu'on pensait à cette idée musique du monde au sens pour moi c'est un peu le sous-titre du disque world music quand même. Mais c'est marrant de enfin la world music c'est pas un genre, c'est un c'est une appellation effectivement un petit peu des magasins de disques etc, mais on est autant de la world music pour des sud-africains que l'inverse, donc ouais. C'est marrant de replacer un petit peu le contexte. Non, mais de même, moi je parle de pop synthétique, c'est aussi un genre, mais après c'est ce qui permet de définir finalement votre musique. Et moi, j'aimerais juste du coup revenir parler de l'album vraiment de manière plus globale. On parle aussi touriste, on comprend qu'il y avait ce côté regard par la fenêtre de voir ce qui se passait en bas. Il est vrai que l'album, finalement, moi, j'avais pas noté ça, c'est tous ces instruments. Nous, on le sait. Nous, on le sait. C'est ça qui est peut-être plus passionnant parce qu'en en fait, moi, ce que j'ai ressenti dans cet album, c'est qu'il est beaucoup plus intérieur. Donc, certainement, ce que vous l'avez produit du coup là vous-même. Avec vos propres moyens, de manière indépendante, parce que Alésia a été quand même produit par Philippe Zdar. Co-produit. Donc, oui aussi, donc du coup, on se dit juste que derrière, c'est peut-être plus touchant, parce qu'on a l'impression que c'est plutôt vous qui intériorisez vos sentiments, vos émotions sur c'est des années qui sont passées, parce que finalement, ça fait quand même longtemps qu'on ne vous a pas vu. Ouais. Ça fait 4 ans, et derrière, moi, c'est ce qui m'a touché dès le départ. Après, ce qui m'a touché aussi, c'est cette notion de... On parle des tropiques, tristes tropiques. Et c'est marrant parce qu'on se dit, est-ce que les mecs sont pas en train de faire une dépression? Une déprime. Ah, il est un peu plus... il a un peu le blues, ce disque, effectivement. Il est froid. Tu le trouves froid? Ouais, un peu. Ouais. Pas froid distant, mais froid dans les sonorités. En fait, je pense qu'on a toujours fait... C'est nos moteurs. À chaque fois, on fait parfois de la musique en réaction à... Enfin, par rapport à nous-mêmes. Pas par rapport aux autres gens, mais par rapport à nous-mêmes. Quand on avait fait Forty Love... qui était notre premier album, on était dans le concept total, les tennisman, nous on voyait ça comme un truc un peu glam, une espèce de, dans nos fantasmes, on était comme David Bowie, Ziggy Stardust, quoi. Enfin toute proportion gardée évidemment, mais cet héritage-là en tout cas c'était ce qu'on avait en tête. Et quand on a fait Alésia, c'était un peu aussi en réaction à, on avait envie de faire un album un peu plus énervé, assez massif, on voyait, je sais pas, nous c'était un truc un peu apocalyptique, avec des sons pour nous en tout cas qu'on estimait être un peu du futur. On est allé trouver Zdar avec qui on a produit ce disque, etc. Et en fait, je pense que ce troisième disque, il est aussi en réaction à, je pense, finalement, une suite d'Alésia où on a fait tout ça. Et là, on avait envie de nous entendre plus, même chanter, d'entendre mieux nos voix, d'entendre un truc un peu plus humain. Donc même si au final, il y a peut-être quelque chose de plus blues ou peut-être de même froid, mais finalement, c'est plus un truc du coup chaud qu'on a voulu mettre en place. Je crois qu'on entend mieux le son vraiment des batteries, c'est moins boîte à rythme, ou le son des guitares. Rechercher ce qui c'est ces mecs quoi, Pierre et Victor quoi, et pas genre une super production léchée, mais c'est une question qu'on se pose nous-mêmes d'ailleurs. Enfin c'est on sait pas nous-mêmes ce qu'on va faire dans le futur, etc. Pour nous, ce qui est hyper important, c'est pas de refaire ce qu'on a déjà fait. Enfin Alésia, c'était super, on s'est éclaté à le faire, pas de problème, mais ça s'arrête pas là. Enfin c'est il faut notre son il continue à évoluer au gré des tournées, des voyages, des disques qu'on va découvrir, qu'on va se faire écouter. Ah, tu connais ça? Enfin, c'est en constante mutation, je pense, quoi. Et les thèmes des chansons abordées aussi. Et quand tu me demandais tout à l'heure, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on écoutait comme musique, on n'a pas vraiment répondu. Ouais. En fait, on écoute tout. Et on est complètement... Et selon les périodes, on peut autant écouter... Mais on écoute peu de musique... qui ressemblerait à la nôtre. Non, bah non, parce que ce serait... Ouais, c'est un peu le piège. Je pense que tous les musiciens disent un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a tendance à être un peu des éponges malgré nous, et tu recycles tout ça sans faire gaffe. Et à un moment, tu es genre, mais attends, c'est vraiment nous qui avons eu cette idée, ou on l'a un petit peu trafiqué. Après, c'est ça qui est génial dans la pop aussi, c'est que... tout est un re-sucé, recondensé de choses qui existent avant, etc. Et ce n'est qu'un perpétuel recommencement, donc il y a un truc assez marrant là-dedans, quoi.
Mais moi, ce que je tiens à vous dire aussi, c'est que je suis très content de vous croiser pour la première fois parce que nous aussi, j'ai la sensation, je te remercie, j'ai la sensation que quelque part, vous avez toujours été à part, malgré votre premier tube qui est le fameux Oye, qui était très pop, très tube de l'été, qui a permis de décoller, mais derrière, avec Alésia et d'autres morceaux aussi, surtout ces nouveaux morceaux, j'ai l'impression que vous êtes à part. Donc aujourd'hui, il y a toute une sorte d'engouement sur le renouveau de la French Touch avec certains autres artistes, dont on taira les noms, mais qui sont très bons aussi. Vous qui avez travaillé avec Philippe Zard, vous pourrez vous associer dans ce renouveau, mais qui est très marketing. Maintenant, vous préférez être à part, vous faites votre propre musique, vous respirez vos propres émotions, et c'est ça qui est plutôt intéressant. Et je crois que ça a toujours été. Moderne, quoi. Ouais, enfin, j'en sais rien, en fait, ça, c'est pas à nous de vraiment de juger. Nous, on fait ce qui nous plaît, en fait. Et après, les cases, les familles, les scènes, on les voit défiler aussi, quoi. C'est vrai que là, on a un petit peu plus d'expérience, c'est notre troisième disque, et la mode. Du moment, on les voit passer, il y a des choses qui sont hyper intéressantes et on les voit aussi disparaître. Et le but, c'est nous de continuer toujours ce qu'on a à faire et ce qu'on aime faire. C'est vrai que Zdoraket a toujours été un petit peu en marge. On a commencé avec un album assez singulier quand même, avec un concept très fort. Un univers très singulier. Ouais, ouais. Et où les gens se sont arrêtés à Oye, parfois, où elle a. Le concept a un peu pris le pas sur la musique, et je crois que c'était surtout ça la vraie rupture qu'il y a eu entre Forty Love, notre premier album, et Alésia, le deuxième. C'était genre, bon, ça suffit le concept, on est des musiciens, on n'est pas un groupe propulsé par une marque ou j'en sais rien, comme on a pu entendre, alors que voilà, Victor et moi, on est passionnés d'accords, d'harmonie, de musique, avant tout. Le reste, Paris, les concepts, etc., c'est un peu accessoire pour nous, mais voilà, quand on se voit le matin et quand on bosse, on écoute des sons, on est notre vrai truc, c'est la musique, c'est pas ce qu'il y a autour. Et vous, en tant que musicien, du coup, là, à la sortie de l'album, dans quelques jours, il y a de l'appréhension, il y a de la pression, il y a de l'attente. Je sais pas ce que t'en penses, mais on est très, 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 très content de sortir ce disque, parce que c'est une marche de plus. Et que ça va libérer de la place aussi pour la création du prochain, tout simplement. C'est quand on sort quelque chose, next. Et donc, ouais. On s'en débarrasse pas du tout. Là, on est très contents. On a fait le premier concert avec des nouveaux morceaux il y a 15 jours. Ça s'est super bien passé. Et on a hâte de maîtriser. De montrer au public et de défendre sur scène. Ouais, ouais, ouais. Parce que c'est un nouveau visage. Ouais, et puis, on en est très fiers de ce disque. On l'a porté de bout en bout. Voilà, comme tous, évidemment, mais celui-là, c'est vrai que il y avait pas un Philippe Zdard derrière pour nous réconforter si c'était bien ou pas bien, c'était à nous de prendre les décisions. Donc ça a pris le temps que ça a pris, mais voilà, à la fin, c'était nécessaire là, d'être tout seul sur cet album, du coup. Ouais, complètement. Je pense que c'était l'album de la maturité. Non, parce que ça, c'est toujours, ça veut dire l'album de vieux souvent. Je me méfie de ce truc-là. Mais non, mais en fait, même quand on était avec Zdard sur l'album d'avant, nous, on lui a amené, le truc était, je minimise pas du tout son travail, mais le truc était terminé. Et après, lui, il met une espèce de touche magique qui fait, et dont le mix, c'est vrai que c'est presque au mixage aussi, le son qui va être là, sa touche, elle est vachement dans le mix. Et sa façon de produire, et je pense que tous les groupes, que ce soit les Raptures ou Phoenix, quoi, pourront parler de la même façon, c'est que sa façon de produire, c'est qu'il amène une espèce d'énergie énorme. En fait, c'est plus un truc de psychologie. Il y a vraiment ça, et donc bref, donc on se sentait très bien. Puis c'est plus ça, la production, c'était plus ça qui, mais voilà, mais et qui est extrêmement important quand tu fais un disque, quand tu fais un film, quand tu fais voilà, de l'art d'une manière générale. Il y a tellement de doutes aussi, c'est normal, et c'est super d'avoir un phare comme ça dans la nuit et qui vous aiguille un peu, mais très, là, très fort pour ça, voilà. Mais il me disait, mais les gars, mais faites-le, enfin, c'est bon, vous pouvez très bien le faire tout seul, ce truc. On est allé le voir même pour The Tourist, on lui a fait écouter les morceaux quelques fois pendant le truc. Mais voilà, c'était super, on l'a super bien fait avec Alésia. On n'avait pas eu envie de reproduire le même schéma. Et puis, je pense qu'on avait besoin pour voir si on en était capable, quoi, de faire un disque. On ne dit pas du tout que le prochain, il n'y aura pas un autre mec ou Zdar ou j'en sais rien, ou nous-mêmes encore, mais celui-là, ouais, c'était assez nécessaire de se faire ce test-là. En tout cas, le test est, pour moi, réussi. Ah ouais, cool, merci. Faut passer. Calédie était déjà très bien, ce touriste sera encore mieux. Ah ouais. Et on se retrouve le 30 octobre pour écouter tout ça. Cool. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ciao.